Musique bénie. Musique qui rend au juste sa place de juste. Est-ce Jésus-Christ et son amour des hommes? Musique qui apporte la paix. Est-ce Mahomet dans sa miséricorde? Est-ce nos prières ou simplement la force de notre amitié qui causa la perte de Gautier? Toujours est-il que le miracle se produisit. Gautier fit un faux pas. Le concert venait de prendre fin. Un triomphe. Tout avait été joué, tout, sauf bien sûr la seconde cantiga qui n'avait pas réapparu et dont seul le voleur pouvait connaître les paroles. La foule satisfaite commençait à quitter la cour du palais. Alors, du haut de notre petite lucarne, Elisabeth, Cassem et moi, nous nous sommes mis à crier. Regarde-nous, Gautier. Nous sommes ensemble, tous les trois. Juifs, chrétiens et musulmans. Toujours amis et toujours ensemble. Qu'en dis-tu, Gautier? Le silence se fit. La foule était troublée. Comment ces enfants se permettent-ils? À la cour du roi. Et que reprochent-ils exactement à Gautier? On murmurait, on s'interrogeait. Gautier prit peur, il voulut couvrir notre voix, faire taire la rumeur qui grossissait. Sans demander la permission au roi, il rappela les musiciens. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, en l'honneur de sa majesté, Miragresse. Dans l'orchestre, la surprise était grande. Pourquoi jouer cette cantiga dont personne ne connaît les paroles? Gautier était un chef autoritaire. Chacun reprit son instrument. Miragresse. Miragresos, suas tornas son todo Dios, et maravillosos, porque o mais temamos, et maravillosos. On se retrouve bien seul, même au milieu d'une foule, quand le masque est tombé, qu'il ne reste qu'un parvenu qui a jeté en prison un innocent et risqué une guerre dans tout le royaume. On se retrouve bien seul au milieu d'une scène, quand on vient de chanter ce qu'il ne fallait surtout pas chanter. C'est pourquoi je n'en dirai pas plus à propos de Gautier, même si je dois vous rappeler que nous sommes en 1267 et que la colère d'Alphonse X est une chose terrible. Bien sûr, le père de Cassem retrouva son rang à la tête de l'orchestre. Moi-même, je rejoins mon écritoire et mon père ses couleurs. Mais l'essentiel est sans doute de se rappeler que dans cette histoire, celui que tout le monde montrait du doigt n'était pas le voleur. De rappeler aussi que si nous en sommes sortis, c'est parce que nous avons su rester tous les trois unis. Mais assez de mots. Puisqu'ici tout est affaire de notes, laissons aller la musique. Et je voudrais finir sur un duo. Je voudrais vous laisser avec Cassem et Elisabeth, musulmans et chrétiennes de Tolède en l'an de grâce 1267, qui chantent leur amour au-delà des religions.